avant de se faire entendre pour lancer cette première finale. Allez, on Allez, 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 allez,
un point partout en cette partout. Un point partout dans ce premier set de cette première finale. Points, notamment hein, sur Pompierre. Visuellement, il y a un petit doute sur les points, donc on va aller faire confirmer tout ça par les arbitres.
Je vous rappelle un Christophe qu'on vous annonce. Bien entendu, nous sommes peu provisoires. C'est une estimation de ce qui est vu à la lunette. Donc il peut y avoir selon la position un petit décalage par rapport à la réalité. Il ne va pas faire de doute de toute façon que le 7 partira du côté de Lyon qui a marqué 59 points. On va vérifier les points de Compiègne sur ce deuxième set. Allez, Mathéo! Allez, mec!
Voilà, le résultat qui est confirmé. Donc Crillon s'impose dans cette finale sur le score de 5-1. Rayon champion de France. Allez, les gars! C'est super de partager la médaille d'or avec les copains et avec Henri. Voilà, Henri le coach qui est déjà parti se préparer pour la suite. Il va avoir du boulot, Henri, cet après-midi. Hein. Il ne va pas beaucoup sortir de l'arène. Oran, comment on vit ça ensemble? Est-ce que vous avez déjà l'habitude de tirer tous les quatre? Comment ça se passe tout au long de l'année? Est-ce qu'il y a d'autres compétitions par équipe? C'est super de partager la médaille en équipe. Est-ce que c'est plus intense qu'en individuel? Plus intense, je sais pas, mais c'est différent. C'est différent, ça c'est sûr. Mathéo, je vais changer de côté, me rapprocher de toi. Alors pareil, comment tu as vécu cette finale? C'était trop bien. Rappelle-nous un peu ton parcours en individuel. J'ai mal géré le vent. C'est ça qui m'a... C'est ce monde de cool. Du coup, c'est une belle compensation d'être avec les copains et de ramener cette belle médaille d'or. Oui. Ben, félicitations à vous quatre, bravo coach. Je vais vous laisser vous tourner pour la petite photo souvenir avec vos supporters. Et puis on va enchaîner dans quelques instants avec la finale suivante. On enchaînera avec les U21. Féminine. Allez, le temps de terminer la mise en place des cibles. Je vous rappelle, on a reculé de 30 mètres. Nous étions à une distance de 30 mètres. Nous sommes maintenant à une distance de 60 pour les deux finales à venir pour les U21. Pour information, hier, dans cette catégorie, il tirait à 70 mètres. Finale féminine, tout d'abord, finale masculine. Ensuite, et les podiums vers 15h05. On aura donc les trois podiums, on retrouvera tous nos joueurs, ce seront les derniers podiums de ces championnats de France
2024, l'occasion de remercier encore une fois l'ensemble des bénévoles autour du président du club, Pascal Bergeau, qui ont œuvré depuis plusieurs jours, 6 jours pour la compétition, mais toute la préparation en amont. Donc on peut applaudir les bénévoles, s'il vous plaît, pour tout le travail qu'ils ont effectué durant ces 6 jours. On peut les applaudir très fort. Qu'ils soient là, vous êtes les hommes de terrain, tous ceux qui ont œuvré pour l'organisation. Un grand bravo à vous tous. Allez, dans quelques instants, on attend la finalisation de la mise en place, la dernière vérification, et puis nous allons pouvoir lancer cette deuxième finale de l'après-midi. Ces championnats par équipe qui viennent clôturer ces championnats de France qui ont démarré pour les jeunes lundi. Depuis vendredi jusqu'à dimanche, nous étions avec les adultes. Allez, tout est en place. Finale U21 féminine. Merci d'accueillir l'arbitre et le coach. Mesdames, messieurs, les équipes finalistes, Rion et Modèle. Modèle. C'est donc Rion qui va ouvrir le bal de cette deuxième finale. Rion, allez, allez, meuf. Allez, fille. Allez, Rion. Allez, Rion. Allez, Rion. Allez, Rion. Allez, Rion. Allez, là. Allez, fille. Allez, Rion.
9. Allez, on va aller vérifier ces points. Le premier set qui ira du côté de Rion. On va vérifier par contre les points exacts. Voilà, c'est confirmé, 54-43, c'est le score de ce premier set que remporte Rion, qui mène donc 2-0. C'est Manduel qui tirera la première flèche du deuxième set. Le temps de noter les scores au pied des cibles. Allez, on libère la zone de tir et nous allons pouvoir repartir pour la deuxième volée de cette deuxième finale de l'après-midi, la finale U21 féminine. Thank you.
Vas-y, Répi. Dans le jeu. Allez. Allez, Elsa. Qui donnerait sur la première impression 53-50 en faveur de Manduel qui reviendra à ce moment-là à deux partout. De cette finale féminine, nous enchaînerons avec la finale garçon des U21 et les podiums qui viendront clôturer ce championnat de France par équipe. Scores qui sont confirmés, donc 53-50 dans ce set pour Manduel qui revient à deux partout. Allez, on va pouvoir libérer la zone de tir de partout entre les deux équipes. Rion cible 1, Manduel cible 2. Et c'est Rion qui va lancer la première flèche de cette troisième volée de ce troisième set. Allez, c'est parti les supporters. Allez, Jusqu'au bout.
tirer. La garde au bout. Yes! Allez, fin de cette troisième volée. Allez, on va avoir une petite vérification avant d'annoncer les résultats de nos juges arbitres. Suite à une erreur dans l'ordre des archères pour tirer du côté de Rion. La meilleure flèche de Rion va être retirée. Donc on va recalculer le résultat de ce set en retirant la meilleure flèche. Allez,
10. Allez, on va vérifier ces points. Allez, voilà les scores qui sont confirmés avec cette victoire de Manduel qui remporte donc cette finale 6 à 2 et qui devient le nouveau champion de France U21 féminine. Bravo, mesdemoiselles, je vais me diriger vers vous. Voilà, Manduel, les nouvelles championnes de France, venez, approchez-vous. Au milieu, qu'on regarde bien, droit devant, félicitations. Qu'est-ce qui commence, toi, à côté de moi, ton prénom? Mélina, alors Mélina, qu'est-ce que tu ressens là tout de suite? J'imagine beaucoup de joie. Oui, oui, ça fait plaisir, mais bah, un peu compliqué par la belle et tout. Mais bref, voilà. C'était une finale effectivement particulière. Approche-toi de moi, s'il te plaît. Océane, Océane, donc qui est à mes côtés. Alors effectivement, un début un peu compliqué pour toutes les trois. Et puis, on a l'impression que cette coupure, je ne vais pas dire que ça vous a fait du bien, parce que ça ne fait jamais du bien, ce genre de coupure, surtout quand on ne sait pas comment ça va se terminer. Mais comment vous avez géré ça, là, avec le coach? Bah, je ne sais pas, on va en faire une idée, mais on réfléchissait. Vous saviez à peu près ce qui pouvait arriver, que le score risquait de s'inverser, vous en parliez, vous avez complètement attendu la décision du jeu? Oui, on se retient un peu. Bon, alors, du coup, cette dernière manche, approche-toi. Clara, donc cette dernière manche, comment est-ce que vous arrivez à vous reconcentrer pour repartir et puis finalement gagner? Comment est-ce qu'on arrive à se remettre dans le match? Bah, j'étais entraîné pour ça, donc beaucoup d'entraînement et bah, on a su se remotiver tous ensemble et bah, se mettre dedans. Hein. Tout au long de l'année, vous travaillez un petit peu ce côté mental, vous restez vraiment seulement sur le technique et le physique? On travaille dans le mental. Et donc ça a payé aujourd'hui. Bravo, félicitations, je vous laisse vous tourner pour la photo avec vos supporters, les archères de Manduel, les nouvelles championnes de France U21 2024. Allez, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec la finale des garçons. J'imagine que tout le monde est prêt. On va s'assurer que tout est prêt ici de notre côté. On met la reine en ordre, les cibles sont prêtes. Allez, mesdames et messieurs, finale U21, un garçon par équipe. Merci d'accueillir l'arbitre et le coach. Cible 1, l'équipe de Compiègne est composée de Romain Cabon.
Karchouf. Ouais. Jules Pédou. Ouais. Et Yann Didier-Laurent. Ouais. La cible numéro 2, l'équipe de Rion est composée de Yanis Beugin. C'est la cible numéro 1 qui lance la première dernière finale. Allez, Maël, avec l'attaque, tu sais faire. Allez, Maël, tu sais faire.
une flèche sur laquelle il y avait un goutte, une flèche visiblement sur laquelle on pouvait donner un point, et peut-être qu'à l'écran, il en semblait un autre. On va vérifier tout ça donc avec nos arbitres. Qui sont confirmés, donc 55-53 en faveur de Rion qui remporte son premier set et qui mène 2-0. De cette dernière finale de la journée. Allez, c'est parti. Thank you.
ça. Oui, c'est bon ça. Allez, allez. Alex. Sur l'égalité 56 partout, on va vérifier tout ça. Les scores qui sont confirmés, 56 partout sur cette deuxième manche. Allez, la zone de terre est libérée, c'est parti pour un troisième set. Allez, 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 allez,
tête fixe, tu mets ton rythme et ça prend jusqu'au bout. Allez, allez. Allez, supporters de Compiègne, faites du bruit. Yeah.
les gars. Voilà, c'est validé, c'est confirmé. Le nouveau champion de France, bravo à vous, belle finale. Allez, venez au milieu, messieurs, bravo, félicitations. Belle finale, vous avez bien redressé la barre. Comment ça s'est passé? Bah, ça s'est super bien passé. Très fier de cette équipe-là. C'est toi qui étais remplaçant, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Il est tout. C'était toi, d'accord. Alors, comment tu as vécu le dernier tir? C'était vraiment très serré, surtout sur la deuxième série. Vous étiez à égalité à la fin de la première série de ce dernier set. Comment est-ce qu'on se concentre? Comment est-ce qu'on se prépare? Bah, on essaie de faire le mieux qu'on peut, de se concentrer à fond sur l'objectif qu'on s'est fixé et on a réussi donc. Bravo, approche-toi, viens vers moi, ton prénom. Maël, alors Maël, félicitations, bravo pour ce titre. Est-ce que c'est le premier que tu as en équipe? Non, j'en ai déjà eu, en D1 on a terminé deuxième cette saison. Et puis l'autre sur les Junior Cup en international. Donc, c'est super, on a vraiment une super équipe, donc je suis vraiment très content. Ça fait combien de temps que vous jouez ensemble? C'est la première fois. C'est une belle réussite alors pour une première. Bravo, félicitations. Je vais venir au milieu de vous deux pour finir les interviews. Donc toi en tant que remplaçant, comment tu as vécu ça derrière? J'imagine qu'on est un peu plus stressé, non? Ouais, forcément, on se dit qu'on ne peut pas vraiment agir sur le match. Mais après, je pense qu'un tir en équipe, c'est pas seulement sur le pas de tir, c'est aussi à côté, les encouragements. Voilà, se rassurer quand il y a des flèches moins bonnes, se féliciter quand elles sont bonnes. Donc ouais, c'est sûr que c'est un peu plus stressant parce qu'on ne peut pas agir directement, mais c'est vraiment intéressant quand même. Et qu'on ne peut pas libérer la pression comme c'est le cas de tes coéquipiers. Bravo, félicitations pour un petit mot sur cette finale, comment tu l'as vécu? Plutôt bien. Le tir techniquement c'était pas là, mais ça rentrait donc bien. Et puis les collègues étaient là pour assurer la zone, donc ça s'est super bien passé. Bon ben en tout cas bravo, félicitations, vous avez ramené un beau titre en Picardie, je vous laisse vous tourner. Si vos supporters sont là un peu plus trop tôt, on va voir créer quelques instants sur les podiums. Bravo, félicitations à vous tous et à vous tous. Le temps de terminer la mise en place et puis ce sera le podium. On va vous appeler, restez bien avec nous les clubs, les équipes et l'année, restez à proximité pour vous mettre vers la tente boutique. Comme ça on va gagner un petit peu de temps. Et on va vous faire venir dans quelques instants. Alors Pascal, on va commencer avec toi, Pascal, donc président de la section tir à l'arc, j'imagine, un président heureux et soulagé.
Oui, tout à fait. Complètement heureux parce que depuis vendredi, je pense que ça s'est plutôt très bien passé, très bien déroulé. L'organisation, ça a déroulé, des retours qu'on a eus. Donc ça a été super. D'un point de vue sportif, c'était très très bien. Depuis vendredi aussi, un grand merci à vous pour l'attitude. On a vu différents publics et ça a été très cool, très détendu. Donc un grand merci à vous. Je tiens encore une fois à remercier le corps arbitral, qui eux aussi, pour certains, œuvrent depuis vendredi, qui, je pense, ont bien mal aux jambes. Je ne sais pas combien de kilomètres vous avez pu faire, mais un grand, grand merci à vous. Dans les remerciements, remerciements aussi à la Fédération, qui nous a apporté un gros soutien pour ce championnat de France. Le bon déroulement, encore une fois, ça c'est super important. Le staff, franchement, gros boulot, on a pu travailler ensemble correctement et dans la bonne ambiance et la bonne humeur, donc ça fait super plaisir. Ensuite, le comité régional, avec Edwige Roland, la présidente, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Un grand merci à toi, Edwige. Et Valérie aussi, qui en fait partie aussi. Donc voilà, et puis encore une fois, bravo pour tous ces résultats. Franchement, on a vu des très très beaux scores et c'est super, ça fait plaisir. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Pascal. On va passer la parole très rapidement, parce que je sais que c'est pas son exercice préféré, mais Madame Dupuy, juste un petit mot rapide au nom de la mairie. Écoutez, merci beaucoup. La mairie est quand même heureuse d'avoir fait ce championnat, d'avoir organisé un victoire, bien sûr. Hein. Et puis, bravo à tous les participants et félicitations. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas votre exercice favori. C'était très bien. Bravo, Evelyne. Julien Mégret, trésorier adjoint de la Fédération. Merci. Effectivement, je vais reprendre les propos de Pascal et tout d'abord féliciter le club et toute son équipe parce que sur le pont depuis vendredi et bien avant pour l'installation, même si c'est un club qui est habitué des grosses manifestations, puisque régulièrement vous pouvez venir à Saint-Avertin, les équipes de France viennent aussi à Saint-Avertin pour faire des sélections. Donc du coup, on sait qu'on est bien accueillis. Voilà, mais effectivement, c'est difficile parce que c'est des grosses journées, c'est des plannings assez longs. Donc je pense qu'on peut applaudir Pascal et toute son équipe de bénévoles. Voilà. Bravo à toi. Remercier du coup nos arbitres qui, comme l'a dit Pascal, pour certains depuis vendredi. Nos jeunes arbitres aussi qui étaient sur le championnat jeune. Merci à vous et bravo à vous. Donc, on voulait remercier aussi les institutions qui aident le club à organiser cette manifestation, qui aident aussi le club au quotidien dans le fonctionnement pour avoir mis en place cette belle structure. Voilà, j'espère que vous avez pu en profiter, vous avez pu aller voir et découvrir cette jolie salle. Donc merci à toutes les institutions qui œuvrent auprès du club de Saint-Avertin. Voilà, bravo à eux. Et donc des derniers remerciements. Vous savez, dans quelques jours, les Jeux Olympiques vont commencer. Voilà, j'espère que vous suivrez ça et vous serez les premiers supporters de nos archers. On a aujourd'hui, c'était un peu une première pour notre équipe fédérale, puisque habituellement, vous avez l'habitude de voir Xavier, mais qui est déjà venu présent pour organiser les Jeux Olympiques. Et donc, du coup, c'est Stéphane qui a œuvré et qui a pris le relais. Donc, je ne sais pas où il est, Stéphane. Voilà, il est là vers les athlètes. Donc c'est lui qui a suppléé Xavier. Voilà, je pense qu'on peut applaudir Stéphane et toute son équipe pour le travail qu'ils ont effectué. Donc ce remerciement va aussi à tous les services de la fédération qui viennent en amont pour établir les classements, les documents, etc. Voilà, merci à tous. Et sur le plan sportif, voilà, je pense qu'on a vu des belles finales aujourd'hui. C'est un championnat qui est assez relevé, qui est très bataillé, puisqu'il tient à cœur à beaucoup de clubs. Donc du coup, merci à tous les clubs, à tous les encadrants, et tous les présidents qui œuvrent au quotidien pour nous permettre de vivre un spectacle comme celui-là. Voilà, merci à tous et bon retour. Merci beaucoup, Julien. Allez, on va se décaler pour laisser
le podium, Pascal, la dernière mot. Juste un petit dernier mot. Tous les maillots bleus, on est bien d'accord. Ensuite, avec les podiums, après les podiums, excusez-moi, on fait la photo de famille. Donc, je vous attends. Ok, merci à vous. Voilà, merci Pascal et encore bravo à toute ton équipe, bravo également encore à Arbitral. Pendant qu'on se met en place, j'en profite pour remercier Jean-Luc et toute l'équipe d'arbitres et juges-arbitres pour leurs bons conseils pendant ces six jours. Merci de m'avoir aidé au micro pour passer les bonnes infos. Allez, on va pouvoir commencer cette cérémonie protocolaire avec la catégorie U15 Mix. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander d'accueillir les médaillés de cette catégorie U15 mixte. Les trophées seront remis par Edwige Dupuis, conseillère municipale de Saint-Avertin. Et les plateaux seront remis par Pascal Bergeot, président de la section tir à l'arc de Saint-Avertin Sport. Dans cette catégorie U15 mix médaille de bronze, c'est le club de Nîmes. SCU de Choteau, Cassine, Bécoute, Louen, Jean-Pierre Michel. Médaillé d'argent. Voilà, mettez-vous sur le côté. Médaillé d'argent, le club de Compiègne. Et champion de France dans cette catégorie U15 mixte, c'est le club de Rion. Allez, vous allez pouvoir remettre les médailles et les récompenses. Alors, les médailles et Madame Edwige Roland qui va remettre les médailles. Madame Évine Dupuis pour les trophées et Pascal pour les plateaux. Les archers, les trophées pour les coachs, les plateaux pour le club. Voilà, bravo à vous toutes et à vous tous. Félicitations.
et je vais vous demander de rejoindre les arbitres. On vous fera revenir sur ce podium tout à l'heure pour la Marseillaise qui viendra conclure ce championnat de France. Et nous allons passer à la catégorie U21 femmes. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir les médaillés de cette catégorie U21 femmes. Seront remises par Julien Maigret, trésorier de la FFTA, les trophées par Marion Langlais, secrétaire de la section tir à l'arc de Saint-Avertin, et par Valérie Caillot, membre du comité directeur de la FFTA. Dans cette catégorie U21 femmes, médaillée de bronze, le club de Rennes, Laura Neveu, Léaline Grégorio, Camille Lepage. Médaillée d'argent, le club de Rion, Victoria Cipriani. Ouais. Et les championnes de France 2024 de cette catégorie U24 femmes, c'est le club de Manduel, Clara Fortin-Bona, Océane Joussa, Mélina Tacussel. Les licenciés de ces trois clubs qui auront brillé durant ce championnat et pas seulement aujourd'hui. Ils se sont distingués depuis lundi. Bravo à vous pour votre parcours. Et je vais vous inviter à rejoindre les autres médaillés. On vous fera revenir dans quelques instants. Et nous allons pouvoir passer au dernier podium de la catégorie U21 hommes. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir les médaillés U21 hommes. Thank you.
photo. Et puis nous allons faire revenir tous les médaillés. Les médaillés, venez vous joindre à nous sur le podium. Approchez-vous par ici. L'ensemble des médaillés, venez, venez, venez. Allez, approchez-vous. On va faire venir également les arbitres, toutes les personnes qui ont remis des trophées, des récompenses. Approchez-vous également du podium avant l'hymne national. Voilà une petite photo avec tout le monde sur le podium. Et puis comme nous l'avons fait à la fin de chacune de nos cérémonies, nous allons conclure ce championnat de France puisque nous nous quitterons juste après avec l'hymne national. Mesdames, messieurs, merci de bien vouloir vous lever pour ceux qui le peuvent pour la Marseillaise. Olympique pour ceux qui pourront y être. Bonne chance à tous nos archers français et on se retrouve très très vite.